Salut à tous et bienvenue sur ce mini tuto spécial Lapin de Pâques. Aujourd'hui, on va s'attaquer d'abord à un dessin classique pour se faire la main. On commence par le cercle de la tête que l'on prolonge pour le museau. J'enquille sur les oreilles évidemment. Pour ce dessin, je vais m'aider de l'anatomie de notre ami en dessinant certains ossements principaux pour bien le construire. Quelques mesures importantes en se basant sur la taille de la tête pour ne pas partir trop loin. Et maintenant que j'ai bien posé mes aides, je peux refaire tout ça au propre. Super. Maintenant qu'on s'est fait la pâte, on peut se lâcher un peu plus. Je vous propose un petit jeu pour que tout le monde puisse participer. Je vais dessiner un autre lapin dans une position plus mignonne. Je vais dans un premier temps juste faire les bases que chacun d'entre vous pourra compléter. Le but étant de se servir ou non de cette base pour dessiner son propre lapin de Pâques. Vous pouvez aussi reproduire le lapin par vous-même évidemment. Sinon, vous aurez le lien pour télécharger la base dans la description. Comme ça, vous pourrez l'imprimer pour dessiner par-dessus ou le compléter à la tablette. De mon côté, je vais m'amuser un peu avec les accessoires pour le mettre sur son 31 pour l'occasion. Maintenant un petit peu de couleur quand même.
et voilà la version finale de mon lapin. Une nouvelle fois, la version de base est téléchargeable via le lien dans la description et je vous remets mon mail si vous avez envie de me le partager et même de le faire apparaître à la fin de la prochaine vidéo. J'ai hâte de découvrir vos dessins. Dessinez bien et à la semaine prochaine!